Coucou, bonjour à tous. Welcome pour la séance. Comment ça va? Moi je me connecte, j'ai quelques difficultés avec la Bluetooth, mais ça va le faire. Voilà. Ça y est, premier jour de déconfinement, j'espère que vous allez bien. Hop. Nous y sommes. Voilà, je termine mes réglages. Faites-moi signe, savoir comment ça va pour vous au niveau du son, de l'image. Ça a l'air d'aller. Vous êtes 45, on va attendre encore un petit peu, sachant qu'aujourd'hui les gens travaillent à nouveau moins à domicile, il y aura peut-être un peu moins de monde que d'habitude. Ok pour vous? Ok, on va attendre dans quelques secondes. Alors c'est un cross training hein, aujourd'hui. Donc en termes de matériel, vous avez dû entendre ce que j'avais besoin aussi pour aujourd'hui, pour vous faire travailler. Aujourd'hui on a besoin d'haltères, d'accord? Voilà, petit gabarit d'haltères, 1,5 kg, 2 kg. Si vous n'avez pas, c'est comme d'habitude, vous prenez vos petites bouteilles. Tapis aussi et une chaise pour les options, d'accord? Éventuellement, une dernière présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lionel, animateur EPSGV. Et voilà, j'interviens sur les activités énergie et parfois zen aussi pour ce qui est des lives. Sinon, bah, voilà, comme un petit peu tous les éducateurs, j'ai aussi une casquette multiple sur les différentes activités fitness. Voilà, donc l'effectif a augmenté. On va commencer la séance. On démarre sans matériel. Vous posez bien votre matériel à proximité de votre espace de travail. On a besoin d'un tout petit espace pour s'échauffer, d'accord? Allez, c'est parti. Je remets la musique à zéro. Allez, c'est parti. Allongez le dos. Encore. Deux.
d'amplitude ferme, l'amplitude, et montez genoux. Ok, on décolle ses talons. On commence à sautiller si on peut. Allez, tirez les bras derrière. Expire. Encore. 4, 3, 2, 1. Reposez. Bien. Passez une jambe devant, une jambe derrière. Largeur de hanche. Fais attention. On descend. En prolongement, on remonte. Genou au bout de la hanche. Hanche dans le prolongement du corps. Changez de côté. Reviens. Tiens, revenez face à moi. Position du sumo squat. Petite flexion ici où tu rebondis. Laissez bien rebondir. Attention à vos genoux, à ne pas laisser les genoux passer à l'intérieur. Poussez les cuisses vers l'arrière. Dos bien droit. On ne laisse pas partir comme tout à l'heure. Reviens. Et ramène. Parallèle. Reviens. Et encore 4, 3, 2, 1, passe derrière. Continue. 4, 3, 2, on change de côté. La même chose sur les côtés. Passe derrière la jambe, la même chose derrière. Ça sera une option quand tu ne peux pas sauter. Sur les fantômes, tu feras ce pas-là. D'accord? On revient. Petite fantôme. Si tu peux pas, tu gardes le pas précédent. Allez. Pliez bien. Encore. 5. Pensez à bien gainer. 4. 3. Reviens, sumo, descend, ramène, fermez, ouvrir, fermez, un pied après l'autre et tu ramènes. Si tu peux, les deux en même temps. Hey. Soufflez en montant, périnée, engage, encore, 4. 3, 2, 1, restez, maintenez et ramène parallèle, fermez les jambes, ramène les mains sur les cuisses, descend et pose le ventre en roule, soufflez, allonge, encore 4 fois, que 2, et dernière. Étirez les bras et incline. Et dans le sens.
Est-ce que tu es prêt pour commencer à monter et à descendre vers le sol? Ouais. Et bien on est parti, je te montre l'exercice. L'exercice ici, deux squats. Qui dit deux squats dit 4 burpees. Quand tu feras 4 squats, tu multiplieras ton nombre de burpees. Je te montre d'abord, tu mets. Ouais. Alors, on commence par squat. Ici, deux squats. Et tu restes en bas. Jambe droite, jambe gauche. Reviens, jambe droite. Jambe gauche encore. Burpees 3 fois. Burpees 2 fois. C'est des burpees modifiés, bien sûr. Pensez à bien vous aligner. Et on revient. On est parti, on en fait 4 cette fois-ci de squat. 4. 3. Donc fois 2 burpees. 2. 1. On est parti pour 8 burpees. Première. Deuxième. Allez, encore. Pensez ici à bien aspirer le ventre. Quatrième. Encore. Quatre. Souffle monte. La dernière. Reviens. Et c'est quoi? C'est parti pour 8 squats. Donc 16 burpees ensuite. Aïe aïe aïe. Reste en bas, c'est parti pour les 16. Et remonte. Allez, encore 14. Allez, courage. Plus que 12. Allez, cherche bien l'alignement, que ce soit lorsque tu es parallèle au sol ou dans la verticale, bien sûr. Courage. Et c'est quoi, il te reste plus que 8. Allez, c'est la fin. 7. 6. 5. Si tu n'en peux plus, reviens et fais quelques talons-fesses. Allez, les deux dernières. 2. Reviens, dernière. Reviens. Soufflez. Allez, on mouline un peu les poignets. Bien. Ok, on termine l'échauffement. Ce n'est encore que l'échauffement. Aïe, aïe, aïe. Ici, petit travail technique qui va vous servir pendant la séance. Vous vous rapprochez d'une chaise. Ici, vous allongez la jambe loin derrière vous. Vous pliez celle de terre. Vous décollez la jambe. Tu reviens. Essaie de tenir l'équilibre. Bascule. Attrape la chaise, tu reviens. Encore. On cherche à garder la parallèle au sol. Si tu crains, tu peux garder le pied au sol. Garde l'allongement, d'accord, de ta colonne. Changez de jambe. Parti. Si on peut, on décolle. On revient. Encore. 4. Et on ramène genou poitrine. 3. 2. Une petite dernière. Reviens. Ça va? Oui, peut-être. Aide-toi d'une chaise si tu crains l'équilibre. La suite, vous allez prendre vos haltères. D'accord? On allonge, la même chose. Si on peut, on décolle. On peut démarrer en touchant la chaise. On maintient. 4, 3, 2, tirez bien les coudes derrière vous. 1, et pause. Changez, aspirez bien le nombril. Décollez la jambe et tirez les coudes. 4, 3, 2, 1. Encore. On pense ici à bien soutenir les abdos. On décolle. 4, 3, 2, 1, repose, change, dernière jambe.
Tirez bien les coudes, serrez les omoplates. 3, 2, 1, repose. Emmène le bassin, souffle, relâche. Déroulez et revenir. On pose les mains sur les coudes. Ici, les coudes partent sur la chaise. Et on est sur le gainage de fin d'échauffement. Maintien, hein, restez. Reste. Dernière petite série avec les haltères. Tu reviens. Prêt? Décolle la jambe droite ou la gauche, peu importe. Et on en fait 8 ici. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Soyez solide. Serrez les abdos, aspire le nombril. Change. Continue la même jambe, l'autre jambe. Tu m'en fais 8, 7, 6. 5, allez, on allonge bien le dos, on aspire le nombril. 4, très droit. 2, le pieu peut toucher le sol sans problème, mais il est loin de toi. 1, et reviens au sol. Vous l'avez bien compris, pour cet exercice, on cherche l'allongement parfait, soit en décollant la jambe si l'équilibre est là, et ça fait travailler deux fois plus l'équilibre si votre jambe est en l'air. D'accord? Si vous craignez, vous gardez le appui au sol. Mais vous avez tout, on est parti sur le circuit. Le circuit sera donc composé. On va faire le petit tour. Il y aura bien sûr l'exercice qu'on vient de faire juste maintenant. Je vous montre l'ensemble. Le premier exercice. Fente, vous voyez. Fente ici. Trois fentes. Et quand tu fais des fentes, tu décolles légèrement les bras sur les côtés. Attention, les poids sont dans le prolongement des épaules. Ne monte pas trop haut tes épaules. Les mains. Pas plus bas, pas plus haut que ça, d'accord? Une fois que tu as fait tes trois fentes, tu me feras trois fentes sautées. Si tu ne peux pas sauter, je te rappelle, il y a celui-là à faire. Et tu changes de jambe, d'accord? La même chose ici, trois fentes. Attention à vos genoux. N'oublie pas, tu ramènes les bras en oiseau. Et quand tu as fini tes fentes, tu ramènes tes poings serrés et 1, 2, 3. Et ça s'enchaîne, tout ça sur le temps. Le temps. Si tu es débutant, aujourd'hui, c'est 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, d'accord? Si tu es intermédiaire, c'est 40 secondes sur ce tour-là, d'accord? 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. La récup, c'est quoi? La récup, ça peut être simplement ici, trottiner sur place ou talon-fesse. C'est une récupération dite active, d'accord? Deuxième exercice ici. Vous allez passer sur votre chaise, elle est là normalement. Vous passez les mains sur votre chaise et vous avez peut-être mis votre serviette. Vous posez votre serviette au sol. Ici. On restera les jambes pliées à proximité de la chaise. Ici, on allonge le dos. 15 secondes. Puis on allongera ses jambes et on ramènera. Attention ici, vous devez être le plus stable possible. Utilisez votre sangle périnée engagée, sangle abdominale. D'accord? 15 secondes, puis après le temps restant, selon ton niveau, pour faire le glissé de serviette. Troisième exercice. Ici, pompe modifiée. Pareil, ça peut être au sol ou sur la chaise. Je te montre la chaise, puis rapidement le sol derrière. Tu seras ici, tu poseras coude, coude, main, main, en changeant chaque fois de bras. Sur le sol, c'est la même chose. Tu peux le faire pour que ce soit plus dur, genou décollé. D'accord? L'exercice numéro 3. Exercice numéro 4. Ici, on retrouve la fameuse planche horizontale. Tu retrouveras tes haltères. Et ici, on a l'exercice de tout à l'heure. On démarre. On essaie de bien rester parallèle au sol. Et on fait le tirage. Ici, moitié du temps. Moitié du temps. D'accord? Et enfin, pour finir, le 5 et le 6, la même chose. Sur un côté, ici, tu te mettras, tu t'installeras, tu te poseras, relevé ici de jambes. La jambe est devant vous ou légèrement dans l'axe, mais pas derrière vous. On creuse ici, on aspire, on se grandit. Ok, ça c'est le single. Et dans la série, vous aurez aussi le duo. Les deux jambes décollent. Tac. Tu peux mettre ta hanche, bien sûr, sur ton tapis.
Tout est dit, pas plus de temps, vous avez dû vous refroidir. On est parti sur le circuit, premier tour. Allez, je lance le chrono dans moins de 15 secondes. Premier exercice, vous vous êtes préparé pour les fentes ou sauter avec haltères. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti, top! Rassemble! 1, 2, 3. Secondes ici, tu m'en fais 10 secondes de moins, là tu es au 40. On enchaîne ici dans le prochain, les coudes et la serviette. 3, 2, 1, work. On ferme, plier les genoux au-dessus des hanches. On gaine, on allonge le dos, on pousse dans les épaules. Pas enfoncé, repoussé. Et on astique ici le sol. Inspire, allonge, souffle, ramène. Pour ceux qui sont à 30 secondes, vous pouvez stopper et passer en récupération. Allez, plus que 3. 3, 2, 1. Reviens. Rest. Yeah, super. Troisième exercice qu'on peut modifier avec la chaise ou au sol. Je monte à facile pour l'instant. 3, 2, 1, work. Main, coude, coude. Gardez le dos le plus stable possible. Sol, c'est pareil. Plus dur, c'est je suis, je veux décoller. Encore. Et 30 secondes, c'est bon. Il reste encore 7 secondes. 3, 2, 1. Allez, tu m'accompagnes maintenant sur la planche horizontale avec les haltères si tu veux ou à vide si tu préfères. Ça va? Pause. 3, 2, 1. Décolle. Et tu gardes les coudes serrés. Engage plus.
Les 30 secondes, c'est bon pour vous. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Quand vous décollez les deux jambes, allongez plutôt l'appui, allongez le bras, d'accord? Deuxième côté. On pose la jambe au sol, c'est la jambe du dessus, on en fait 10. Allez, aspirez le nombril, auto-grandissez-vous. Allongez le bras et décollez. Go. Allez, courage. Les débutants, vous pouvez récupérer, vous lever, faire quelques petits talons fesses. Encore 5 secondes pour les autres. 4, 3, 2, stop. Remontez. Quelques petits talons fesses. Comment ça va? Bien. Allez, profitez-en et tirez le dos. Venez vers la chaise. Pliez les jambes. Et enroulez. À peu près une trentaine de secondes. Ça a l'air d'aller, ça va super. Merci Jean-Marie. Si vous n'avez pas le temps de taper, voire mettez-moi des petits pouces, savoir que vous êtes toujours là. A priori, oui, vous êtes de plus en plus nombreux sur le live, c'est super. Bien, on reprend dans 7 secondes. Vous avez compris, débutant 30 secondes, intermédiaire 40 secondes et choisissez les options. D'accord. La même chose. 3, 2, 1. C'est prêt? Et Vincent, 1, 2, 3, et Vincent, 1, 2, 3. Tomber. Là, c'est pour ceux qui sont au sol.
2, 1. Yes. La planche horizontale avec les haltères. On y va. Dans 10 secondes. C'est prêt? Allez, placement important ici. Hein. Allongez bien le dos. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez. Allez, pliez la jambe de terre, allongez le dos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les 30 secondes, vous arrêtez. Les autres, restez avec moi. Restez avec moi. Allez. Et relevez. Soufflez. Il y a peut-être une petite coupure. On enchaîne. Ici avec les stag leg kicks. 3, 2, 1. Côté. Et. Encore 5, 4. Changez de côté. Et allez, travaille sur ta posture. Choisissez sur le coude ou légèrement allongé. Les jambes un peu plus vers l'avant, mais pas derrière. Allez, à toi, go! La jambe du dessus 10 fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Petit défi, défiez votre enfant, défiez votre co-confiné, qu'il n'est plus maintenant. Mais voilà, partagez ici un défi avec vos partenaires de jeu. Je vous propose un petit défi Tabata cardio. Donc on sera moins sur le renfo, d'accord? Appelez-les qui suent un petit peu là à la maison. Hein. On part dans une trentaine de secondes. Allez chercher vos amis pour les mettre en forme. Petit défi Tabata cardio. Ça va? Bien, dans le nord, ils sont toujours à fond. Mais est-ce que dans le sud, ils sont là? Ou dans l'ouest ou dans l'est, on les entend pas? Manifestez-vous! Alors, je vais vous mettre celui-là.
Alors, on est parti sur un tabata. Je vous montre vite fait, en fait, les parties. Cardio 1, je vous l'ai annoncé. On retrouve ici le sumo squat, d'accord? Pour venir travailler toujours un petit peu les membres inférieurs. Sumo squat, alterné. Sumo squat, je vous ai dit, alterné avec un slide pour ceux qui n'arrivent pas à sauter, d'accord? Pour ceux qui peuvent sauter ici, je vais vous inviter à faire des jumping jacks, d'accord? Voilà, on est parti. Sumo squat avec jumping jack ou jumping jack modifié jambe par jambe. Je relance le morceau et c'est parti. Allez! Soufflez un petit peu, revenez. Waouh, ça va chez vous? Bien.
On enchaîne ici dans une quarantaine de secondes. Buvez, ouvrez les fenêtres, ventilez, respirez fort. Soufflez, mais ne vous couchez pas au sol, ne vous asseyez pas. Hein. Marchez, soyez actifs pendant la récupération. Donc, ça a l'air d'aller. Bien, la suite ici, on va repartir dans une logique de petit tabata. Ok, c'est la dernière, on est quasiment sur la fin, je vous rassure. La séance, on finit par un petit circuit de 4 minutes sur un mode tabata, d'accord? Puis des petits abdos, histoire de finir sur 2-3 minutes et stretch, d'accord? Donc on a encore 7-8 minutes de séance, on est sur la bonne dernière ligne droite. On enchaîne du coup ici avec un petit circuit tabata, comme je te l'ai promis. Alors, ici ce que je te propose, je te montre, on va être plutôt sur au sol, on va retourner dans la partie plutôt abdominale, ok, sur ce circuit-là, moins cardio. Alors, vous prenez votre tapis, ici, hop là. Vous pouvez prendre vos petites haltères également. Donc, on commencera par un équilibre facile. On sera sur les ischions, les deux os hein, que l'on ressent lorsqu'on s'assoit et qu'on cherche à se réajuster. D'accord ? Tu vas ramener tes genoux. Option facile, tu gardes les pieds au sol. D'accord ? Mais tu vas chercher maintenant à légèrement arrondir en aspirant le ventre. D'accord ? On est en flexion légère du bas du dos. Si tu as mal au dos, préfère rester plutôt dos plat. Si tu as un dos et une sangle abdominale déjà travaillée, donc ça c'est pour les intermédiaires, basculez, soufflez et décollez les intermédiaires pour que ce soit encore plus difficile vos pieds. Équilibre, on essaiera de tenir pendant 20 secondes. Il y a une pause ensuite. Après, vous allez prendre soit une charge, soit deux charges. Je vous laisse libre. Je vous montre avec une. Et ici, sur la deuxième tour, on aura une charge et on fera un passage de bras. Soit en dos plat, pied posé, si j'ai un dos fragile. Sinon, j'aspire le bas-ventre, j'emmène ici la flexion du bas du dos et j'aspire bien le nombril, d'accord? Vous avez les deux premiers, il ne me reste plus que deux à vous montrer. Ici, le 3 et le 4. Alors, sur le 3 et le 4, le 3, vous allez ensuite revenir faire des remontées de bassin, d'accord? Sur 20 secondes. Ça, c'est l'exercice que vous aimez faire. Pour ceux qui veulent un peu plus de challenge, tu pourras faire premier tour sur une jambe et quand on le repassera sur la deuxième partie du circuit, tu changeras de jambe. Exercice numéro 3, d'accord? Pied posé, les deux ou un seul pied. Et enfin, on termine avec le swimming. Le swimming, pensez à bien engager le creux ici, d'accord? Les mains sont au sol pour l'option 1. Et tu bats des jambes. Option intermédiaire, vous pouvez activer les bras en même temps que les jambes. D'ac ? Allez, c'est parti pour le tabata. Hop. Go, go, go. On s'installe pour le premier exercice. Vous êtes sur les fesses, assises et assis. Prêt ? 10, 9, 8. Allez, on s'assoit. 6, 5, à vide, on travaille 4, sur la tenue d'assemble. Essaye de décoller. Option 1, dos droit. Option 2, j'arrondis. Venez. Vous les posez, hein. 3, 2, 1. Très bien. Soufflez. Tirez le dos. Une charge. Commencez ou deux. 3, 2, 1, go. Dos plat. Plus facile, dos rond, plus difficile. Et un peu plus engageant hein, pour le plaçant. Choisissez l'option la plus facile. 3, 2, 1, plus difficile du dos. D'accord. On fait l'option plus facile, bien sûr. On descend. 3, 2, 1. Option 1, les deux pieds au sol. Montez, descend. Option plus dur. Sur une jambe. Soufflez, montez.
l'audience tout à l'heure si vous avez fait l'option 2. Bientôt, on repart sur le quatrième et dernier. 3, 2, 1, go. Option facile. Aspirez bien le ventre, non plus l'engager. Option plus dur. Attention, stabilisez bien le dos. Le dos ne doit pas bouger. Hein. Reviens, étire un peu le dos. Halfway. Reviens, on s'assoit. Deuxième tour. 3, 2, 1, go. Question d'équilibre, travaillez sur le placement. Et vous pouvez alterner nos ronds, nos plats aussi. Hein. Repose les pieds, étire bien le bas du dos. Grand 10 fois. Avec la charge. 3, 2, 1, go. Allez, courage. Yes. Nous sommes à la fin de ce cross-training. Oh là 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 là. Ici, on termine par un petite mobilité du dos. Encore un peu de travail légèrement ici pour retrouver sa sangle. Et stretching, d'accord? Les dernières minutes du cours. Hop là. Pensez à bien étirer le dos ici. Passez les mains loin devant. Et on va démarrer dans cette position. Ok? Yep. Bien. Ici. Et tu reviens de ton étirement, tu repasses à quatre pattes. Installez-vous. Allongez bien le dos. Souffle arrondi. Inspire, allonge. Encore, 4 fois, arrondissez, soufflez. Inspirez, allongez, descendez bien serré les omoplates. Encore 2. Dernière fois, souffle, aspire le bas-ventre. Ouais. Allongez les bras doucement. Sortez ici vos doigts. Mettez juste les dernières phalanges en appui et retirez le dos. Soufflez. Dans le dos, expirez, cherchez à vider l'air du ventre. Amenez les bras et montez le bras. Inspire. Oh, souffle, emmène au sol. Viens chercher l'omoplate avec la main. Revenez, changez de côté. Inspirez. Soufflez. Venez chercher l'omoplate. Et dernière petite planche pour réajuster un petit peu ton dos. Aspirez bien le ventre, soufflez.
revenez. Allongez, pareil, sur la tranche. Allonge-toi again, souffle, tonifie. Inspirez, soufflez, relâchez. Changez de côté. La même chose. On se replace. On se tonifie, inspire. Expire. Inspire encore. Souffle, relâche. Passez sur le dos. La même chose. Placez vos lombaires dans le sol. Et décolle, jambes tendues. Inspirez, expirez. Soufflez. Reviens par le côté. Et doucement pour se relever, passez par le chevalier servant. Inspire. Et passez les mains à la hanche, du côté de la jambe pliée. Les a placés ici, tu regardes à l'opposé. Grandis-toi, inspire, expire dans le psoas. Et dans le bas du dos. Pensez à bien rétroverser le bassin vers l'avant. Et change de côté. La même chose. Jambes devant pliées, tu amènes tes mains sur la fesse. Et tu regardes à l'opposé en te grandissant. Bascule le bassin à l'avant, souffle. Grandis-toi. Bien. On prend appui, on se redresse. Jambes droites devant. Inspirez, expirez. Changez de côté. Rapprochez-vous de votre chaise si elle est toujours bien par là. Montez la jambe et descendez doucement la tête vers la chaise. Soufflez, reviens. La même chose de l'autre côté. On passe par la planche comme durant le circuit training. Pliez la jambe de terre, déposez la tête. Soufflez, revenez. Descendez, très très bas. Gardez les mains en appui, ouvre le bras, souffle. Inspire, changez, l'autre bras, montez le bras, regardez votre main, inspirez, expirez, posez la main sur votre chaise ou au sol, et remontez le bassin, déroulez, inspire, expire, une dernière fois, inspirez, expirez, croisez, entrez, déroule, allonge, change de côté, enroule, déroule doucement, aspire le ventre, soufflez et revenez. Bravo à tous et à toutes pour votre séance. J'espère que ça a été pour vous. Voilà, une bonne séance cross-training. Donc on a un petit peu poussé aujourd'hui au niveau du timing, on a fait une bonne séance, hein, plus de 50 de minutes. Donc bravo à vous, j'espère que ça a été de votre côté. Pardon. Ouais, super, à priori au niveau des retours ça a été. Je vous remercie, je vous souhaite en tout cas de continuer à poursuivre avec nous les lives, ça continue cette semaine. Voilà, donc soyez bien fidèles. Pour ce qui est pour moi, on se retrouvera pas cette semaine, mais la semaine suivante certainement sur les prochains lives, d'accord. Je réfléchis à ce sur quoi je vais vous emmener, peut-être le boxing énergie, on va voir, ou une surprise. En tout cas, à très très vite, je vous embrasse, terminez bien votre soirée. Ciao, ciao.